au creux de Jupiter. Chaque jour, la même chose, la même histoire. Le réveil qui sonne. La douche directe. Le déo. Les vêtements. Un regard vite fait dans le miroir. Jusqu'à là, ça va. La cuisine. Le bol. Le lait. Les céréales, toujours avant les céréales. La base. La télé des parents en fond sonore. Les nouvelles du jour. Cette boule qui monte et qui grossit, 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 jusqu'à presque exploser, elle naît là au bas du ventre. Ce matin, le schéma du lycée. Une chaleur d'abord, là, ici, puis une frisson qui parcourt la colonne vertébrale. Ça remonte lentement et ça grossit. Ce midi, au supermarché.
là. Où? Là, là, regardez ici. Hein. J'avais rempli de. Mais j'avais rempli là, ils ont des produits. C'est pas normal ça. Je suis sûr que c'est eux, ils ont voulu quelque chose. Là, dans l'estomac, ça compresse et ça tend, ça gonfle. Et cette sensation de tout voir, de tout comprendre, comme tout s'agence. Tout est lié comme les pièces d'un seul et même puzzle. Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats. Me prendre, je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je déjà j'ai connu le parfum de l'amour, un million de roses dans ma vraie phase de temps. Un appel d'un transactionnaire. C'est le mot. Allô, Richard, bonjour. Ah, t'as vu les chiffres? Ah, je t'entends mal. Si ça capte mal, c'est que je suis à Saint-Barth. Ah, je savais que t'allais être content. Bah, 7% pour vous quand même. Non, non. Oui, oui, je suis sur le dossier. Bonjour, j'espère que vous m'appelez pour me dire que l'affaire est réglée. Justement, on a un problème. Je n'ai rien à savoir, ça fait déjà une semaine que le dossier devrait être réglé. C'est pas votre confirmation, quand même. Justement, Gabriel est au téléphone avec le représentant fiscal. Ils ont lu l'article sur de l'écho sur les finances. Monsieur, vous avez un rendez-vous dans 5 minutes pour votre cours de devoir. Bon, je vous capte mal, David. Vous débrouillez comme vous voulez. Vous finissez le dossier ce soir. Mais il est déjà 18h. Tu les calmes. Je veux rien savoir. Ce soir, j'ai dit. Et alors? Il n'a rien. Il a raccroché. Il n'a pas dit qu'on était dans la base. Il n'a pas entendu, non? Il n'a pas laissé le temps. Appelle ta femme. Je pense qu'on a pas la nuit. Allô, chérie? Vous ne m'attendez pas pour manger. Vous pouvez rentrer tard. Oui, je sais. Oui, je sais que j'ai pas vu les enfants depuis les deux années. Moi, ça me pèse pas. Pardon. Je suis deux élèves énervés. Je suis un peu de nerf. Oui, je sais. Moi aussi, je sais. Je comprends parfaitement votre colère, monsieur. Craché. Ça fait 3 fois que je vous répète mon nom. Vous me respectez vraiment pour moi. Pardon, monsieur Bragé, comme je vous le disais. Comment vous allez faire pour les 300 personnes qui... Comment renouveler vos enfants? Qui ne savent pas comment ils vont pouvoir nourrir vos enfants? Vous travaillez toute ma vie dans cette boîte, c'est que je vais devenir, putain. Je ne comprends pas pourquoi je vais faire, monsieur. Je au maximum de vous avoir fait. Nous avons contacté la presse, nous ne lâchons rien. Nous sommes en direct sur le petit grès. Cela fait maintenant 10 jours que les employés ont cessé toute activité. Sont protégés contre l'origine. Monsieur, quelles sont vos revendications? Un bidon à la fermeture de l'usine. Ouais. Alors pour vous, quelle est la solution? Le maintien des emplois. Ouais. 7% pour les travailleurs, non pour les profiteurs. 7% pour les travailleurs, non pour les profiteurs.
respiration s'accélère. Ça atteint les poumons. Le souffle est court. Ça remonte et ça grossit. L'incompréhension. La justice qui déraille, qui défraille. Ça s'emballe. Sur les kiosques, à journaux, ça déballe. À la télé, ça s'étale. Ça dégueule et s'installe. La sensation que décidément, quelque chose ne tourne pas très rond. Et à 100 000 euros d'amende.
ça grossit, mais ça remonte encore, jusqu'à atteindre la gorge. Plus aucun son ne peut sortir. Ça gronde, ça bloque. Il voudrait, mais il ne peut pas. Il voudrait parler, mais il ne peut pas. Mais il voudrait, mais il n'entend pas. Il voudrait leur dire, mais aucun son ne peut sortir. Il, c'est lui, il s'appelle Thomas. Harold. Mehmet. Fantamouf. Ugur. Amandji. On va l'appeler Il, d'accord? C'est plus simple. Il est un animal, un Homo sapiens, un bipède. Jusqu'à là, ça va. Il est plutôt grand pour son âge. Il dépasse tout le monde d'une tête au moins depuis toujours. Il voit tout d'en haut, il surplombe. Il est plutôt petit, mais ça lui va bien. Personne ne le regarde, personne ne le remarque, anonyme dans la foule. Ils observent sans être vus. Il voit tout. Il ressent tout. Et à chaque injustice croisée, fait grandir en lui cette boule. Une soif de vengeance qui l'inonde tout entier. Percé jusqu'au fond du cœur. Percé. Percé. Misérable vengeur d'une juste querelle et malheureux objet d'une injuste rigueur. Je demeure immobile et mon âme cède au coup qui me tue. Si près de voir me faire recompenser, ô Dieu, l'étrange peine. En cet affront, mon père, il offensait et le père de Chimène. Que je ressens de durs combats. Contre mon propre honneur, mon amour s'intéresse. Il faut venger un père et perdre une maîtresse. L'autre m'anime le cœur, l'autre retient mon bras. Réduit au triste choix que de trahir ma flamme ou de vivre en infâme. Des deux côtés, mon mal est infini. Ô Dieu, l'étrange peine. Faut-il laisser un affront impuni? Faut-il punir le père de Chimène? Père, maîtresse, honneur, amour, noble et dure contrainte, aimable tyrannie, tous mes plaisirs sont morts, ou ma gloire ternie. L'un me rend malheureux, l'autre indigne du jour. Il vaut mieux courir au trépas. Je m'accuse déjà trop de négligence. Courons à la vengeance. Non, non, pas cette vengeance-là. Il est véritablement assoiffé de justesse, de justice, assoiffé d'équité. Assoiffé de vérité, assoiffé d'égalité, le besoin de remettre les choses à la place, dans le bon sens de la marche du monde. Parfois, il s'imagine les scénarios les plus fantastiques, où il serait Robin des Bois, Johnny, Spider-Man, Superman. Un super-héros avec ses super-pouvoirs, le pouvoir de se téléporter, le pouvoir de la sagesse, le pouvoir d'arrêter le temps pour changer la violence en paix. Tu es bien naïf, Emmanuel. N'oublie pas que la Russie est une puissance mondiale
et que j'ai moi aussi du nucléaire à disposition. Cette guerre ne mène à rien et coûte un pognon de dingue. Nous sommes tous concernés par cette question et je ne te laisserai pas faire n'importe quoi. Arrête de faire le coq. Tu te rends bien compte que cet appel est trop quignolesque. Nous en venons à parler du nucléaire, là. C'est toi qui as commencé, hein. C'est toi. Non, c'est toi. J'ai pas dit le mot nucléaire. Si, tu m'as menacé. Je n'ai qu'un moucheron à recracher. J'ai dit qui est. De toute façon, l'Occident est décadent et je n'hésiterai pas à utiliser le nucléaire pour vous buter jusque dans les chiottes. Ton discours n'est que poutre de perlimpinpin. Je ne peux pas appuyer sur ce bouton sans passer aux conséquences. Tu m'insultes maintenant? Mais non, pas du tout, enfin, Vladi. Je me traite moi. Vladimir Poutine, 8e dame de judo, 2 gouttes de perlimpinpin. Mais non, c'est une petite carapicule. C'est toi la carapicule. Bon, écoute, les mots ne nous mènent à rien. On verra qui sera le premier à appuyer sur le bouton. À trois, on rapproche. 1, 2, 3. Ce policier est raciste. Ils sont prêts à un citoyen injustement. Ok,
Tu es arrêté, vous êtes tout pour la vie.
fallait bien qu'il se rende à l'évidence. Il n'est que il. Il pouvait bien rêver. Rêver d'être Némésis, d'être Jésus, d'être Dieu. Un rêve n'est qu'un rêve. La soif de justice continuerait de grandir en lui. Chaque jour un peu plus, un peu plus fort, un peu plus grand, pesant lourdement sur ses épaules, le poussant délibérément vers le sol. Jusqu'à ce qu'il relève la tête et regarde à nouveau autour de lui. Il se rend compte que non, il n'était pas tout seul. Et puis c'était des milliers à se chagriner ici, au fond du vide, cette fois c'était juste de vengeance. Se fait beaucoup de grandes actions dans les petites luttes. Nobles et mystérieux triomphes, qu'aucun regard ne voit, qu'aucune renommée ne paye, qu'aucune fanfare ne salue. La vie, le malheur, l'isolement, l'abandon, la pauvreté sont des champs de bataille qui ont leurs héros. Héros obscurs, plus grands parfois que les héros illustres. Victor Hugo. Merci infiniment d'être venu.
on va prendre quelques minutes pour installer de quoi se rafraîchir, partager un petit pot avec vous. Et on vous retrouve dans le hall du théâtre. Merci beaucoup. Marius. Il avait dit tourner parce qu'il était en plein milieu. Eh ben j'ai tout en fait. Ouais, c'est ma mère.